Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Farming Simulator 17, sur notre série à partir de zéro pour l'épisode 7. Donc voilà, donc déjà je vais m'excuser pour le petit problème que j'ai eu lors de l'enregistrement. Donc déjà c'est bon. Et aujourd'hui on est sur une nouvelle version. Et oui, on n'est plus sur la même, on n'a plus sur la même de base. Souvenez-vous, pour ceux qui regardaient mes vidéos sur FS15, on avait à peu près la même, et il me semble que c'est la V3. Alors c'est marqué la V2, hein. C'est une autre version, mais c'est la V2. Donc voilà, alors on va commencer. Donc ça c'est les véhicules de base, hein. J'ai pas pu récupérer le matos qu'on avait. Bon, c'est pas grave, hein. On va faire comme ça. Alors, ce sont des véhicules. Donc voilà, donc on va commencer déjà la fameuse pente qui est très jolie. Donc voilà, avec la petite maison qu'on avait avec des tomates, je crois que c'est des tomates et tout. Donc voilà, bon, c'est pas en physique, hein, mais bon, voilà. Le créateur, celui qui a modifié la map, je sais plus son nom, mais si voilà la vidéo, un gros GG. Nous avons ici, alors hop. Que c'est fonctionnel, un silo pour faire de la paille d'un silage. Bon, il est grand, mais bon, voilà. Donc hop, hop, on va monter ici, voilà. Donc voilà, donc ici on avait un bâtiment pour la paille. Du coup, c'est un bâtiment. Bon, là, on peut rien machiner. C'était un bâtiment, il me semble que c'était pour les veaux, j'en sais rien. Ou c'était pour les moutons. Je sais plus trop. Mais voilà. Donc, ça peut être de la paille aussi. Hein. Vous essayez de trouver un système pour rentrer dedans. Voilà. Et puis, vous êtes tranquille. Voilà. Et puis là, vous mettez de la paille, des trucs comme ça. Ça vous fait un petit bâtiment de stock. Ou de matos. Ici, nous avons un bâtiment de paille. Parce que là, on avait un silo. Un silo en silage qui est maintenant en bas, mais il y en a un autre, vous allez voir. Donc là on peut rentrer pas mal de matos pour la paille, tout ce qui est paille et tout. Donc on a toujours le truc, on a toujours le bâtiment des vaches et on a les bruits, ça c'est cool. Et normalement, ah non, il n'y est pas, parce qu'il est sur une version que je voulais mais qu'elle ne fonctionne pas. On peut ouvrir ça. Alors est-ce qu'il y a un autre endroit? Ça on verra. Il n'y a pas d'interrupteur. Voilà, on ferme, donc il y a l'eau et tout, etc. Tout, voilà. Même le bâtiment. Voilà. De toute façon, on trouvera. Hein. Tout est fonctionnel. Hein. Hop. Bon, là, voilà, je peux acheter des animaux, mais je pense pas que le terrain est à moi. Donc ici, un petit bâtiment pour ranger du matos. Je trouve qu'il est un peu plus avancé, parce que sur une version... est un peu plus reculé, mais c'était sur FS17, je pense. Donc là, on a plus le même bâtiment. On a le même bâtiment que sur FS15, mais sur FS17 ou FS19, celle de base, on n'a pas de bâtiment. Il est derrière, hein, vous voyez ici. Donc, je vais speed. Est-ce que ça on peut... Non. Voilà. Donc, ici... Donc voilà, vous avez un rangement de véhicules. Vous avez pas mal de trucs pour commencer. Donc c'est une présentation, hein, c'est une autre version, mais si je trouve mieux, je vous referai une autre vidéo de la version. Ça va être un petit peu chiant, je sais, mais au moins vous aurez les versions. Voilà. Donc on a le même bâtiment sur FS19, je crois FS17, le bâtiment en bois comme ça. On l'avait en bas. Je vous montre en bas. Et le bâtiment de base sur FS19 sur la V1 est ici. Donc ici, vous videz ici, et à mon avis, on n'a pas de buse, ça va être l'autre côté. Là on a quoi là? Ah non, c'est la culture, ok. Ouais. Et ça me dit que c'est un. C'est pas à moi, ouais.
Donc voilà, OBD ici, et à mon avis, je regarde, non. À mon avis, ça va être là. Donc le pré des vaches est ici. Alors, ils ont. En fait, c'est un champ transformé en herbe. Ça, c'est bien. Là, on vide ici. Donc là, vous avez pour l'herbe. L'herbe. Pour ce qui est donné la ration mélangée, c'est là-bas. Pour payer, c'est là-bas, dans l'intérieur. Donc voilà. Nous allons passer en bas. Dites-moi dans les commentaires si cette map vous plaît. Si vous la trouvez jolie. Donc on a le même bâtiment, sauf qu'au lieu d'en avoir deux, on n'en a qu'un seul. On avait donc celui que je vous ai montré là-bas. Il y en avait un ici. Ça a été mis, ça a été remplacé par ce bâtiment en haut. Donc hein, c'est le même. Donc voilà. Donc ici, les poules sont ici. Normalement, si on donne à manger, à mon avis, ça va être ici, je pense. Ou pas. Ouais, il y a un endroit où faut les acheter, j'en suis sûr. Ah oui, c'est pas physique. Donc on a la maison, comme je vous ai dit. Merci les notifs. Non, à mon avis, ça va être quelque part. Hein. J'appuie sur R, hein, si vous entendez le clavier, c'est normal. C'est bizarre. Ouais. Est-ce que j'ai les icônes d'enjeu? À mon avis, non. Je vais aller monter en haut, voir si je les ai. Hop là. À mon avis, les triggers, est-ce que je les ai? Non. Attends. Icône de danger, non. À mon avis, non. Alors, je vous montrerai le matériel après. Donc, on va se mettre en vitesse 3. Voilà. Donc on a le bâtiment. Voilà, donc je pense que ça va être les poules. Les poules doivent être ici, mais il faut trouver le trigger. Donc là, on a toujours le même bâtiment sur la V1, avec l'endroit où vous pouvez mettre un karcher et puis vous l'avez au véhicule. On avait ça sur la V1, la V2 et la V3. Ces bâtiments-là, bon, ils sont pas fermables, mais on peut vider dedans, je pense. Ou mettre du stock, hein, véhicule ou matériel. Nous avons les moutons. Qui sont ici tranquillou. Là on avait un bâtiment de patates, ça a été déplacé, c'est toujours ici, c'est déplacé, c'est où c'est le bâtiment avec la ferraille en rouge, c'est lui. Là ils ont mis un bâtiment, c'est pour stocker des véhicules. Alors c'est bien pour le multi et le solo aussi. Alors bon, c'est trop grand pour solo, mais multi c'est bien. Donc pareil, même bâtiment. Le truc des... Alors je dis le truc des patates, mais ça peut être autre chose. Hein. C'est un petit local pour ranger des trucs. Hein. On a un silo. Est-ce que il est fonctionnel? Non. Donc à mon avis, vous stockez je sais pas quoi. Mais voilà. Vous faites comme vous voulez. Donc ici nous avons les cochons. Les cochons. Alors j'ai pas fait tout le tour. Hein. J'ai fait le tour de la ferme. Donc là, nous avons pas, nous avons plus l'entrée. Là, nous avons un truc pour ranger aussi du matériel. Voilà. À mon avis, là-bas, il n'y a rien. Alors, si vous voyez des ralentissements dans ce mois aussi, c'est que je n'ai pas chargé toute la map. À mon avis, il doit y avoir les mêmes choses avec le. Trop drôle la voiture. Alors, on a celle de base en plus. Bah, de toute façon, ça va être pareil. BGA, ECOP, machin. Ouais. Qu'est-ce qu'on. T'as dû un petit peu modifier. La base, ça n'a pas trop changé. Je sais plus à par rapport de la V1. Mais si vous voyez des différences sur la map, vous me dites. Vente de laine là-bas.
Coop betterave, vente d'œufs, là-bas aussi, magasin, c'est tout là-bas. Station chaud là-bas au-dessous. Bah si, normalement, attendez, rendre visite. Ouais, mais c'est bizarre. Alors, est-ce qu'il n'a pas mis le trigger? Ça peut arriver, hein. Bon, je suis sûr que le trigger, il doit être là. Un endroit, mais je sais pas où. Alors, bon, on va aller là-bas. Est-ce qu'on a un chemin? Je vais aller voir en haut. Est-ce qu'on a le chemin sur... Parce que là-bas, on avait le chemin. Mais à mon avis, il est entre le pré... Oui, on l'a toujours. Donc on continuera ici, hein. On prendra pas la V1, on prendra la V2. Voilà les petites erreurs. C'est une map qui est fonctionnelle, hein. J'ai pas testé, mais si je trouve des petits endroits à redire, ben je dirais. Donc voilà. Parce que je me rappelle quand on a commencé sur FS15, sur la Belgique profonde, c'était la V3 qu'on avait. Donc qui était encore plus grande. Désolé des petits coups de lag. Donc on a la coop. Ça n'a pas changé. Parce que celle de FS19, c'était celle de FS17. Bon là, la laiterie. Ah, bah si, là... non, je m'en rappelle plus, hein, je ne vais pas vous dire de conneries, mais là, normalement, il y avait une sortie, en fait, une sortie, une entrée, hein, qu'on voulait, mais... Mais voilà, on pouvait... on n'avait pas besoin de faire de manœuvre. C'est toujours pareil. Désolé, hein, ça charge. Voilà, non, non. Bon. On va aller là-bas. J'allais dire une connerie, mais non. J'allais dire le pont est bien rapproché, mais non, c'est que... De toute façon, on va continuer la série ici. Hein. Puis il y aura une autre série, je verrai. Détente ou. Voilà, on va passer par là. Donc vous commencez avec les véhicules que je vais vous montrer. Dites-moi, hein, pour ceux qui en avaient un, je sais pas si ça y était. Voilà, ça c'est le machin, le véhicule. Là, c'est un champ. Et on monte par là. Et après on va redescendre et ça sera fini et vous aurez vu la vente. Alors je sais plus ce qu'on avait sur l'autre série, peut-être que je regarderai la vidéo, mais comme on a des véhicules comme ça a planté, j'ai voulu essayer de transférer le fichier mais j'ai pas pu, donc du coup j'ai dû supprimer. Bon là ça a rien changé, ça peut être une Kuma, une TA. Voilà. Oups. Hop, ça, hop là, hop là. Voilà. Là-bas, ça va être la Syrie. La Syrie. Là, ça va être le négociant bétail. Ouais, ici, et ici, ça va être la Syrie. Voilà un petit peu le truc. Alors, je sais pas si c'est la Syrie de base, mais voilà. Désolé, hein, ça ralentit un peu, il y a trop de trucs ici. Ou peut-être comme je charge ça aussi. De toute façon, on va racheter le même champ, le même terrain et tout. Sauf qu'on aura un peu plus d'argent parce que j'aurais vendu tous les véhicules. Bon. C'est un peu cheaté, on va dire, mais on va dire que c'est une subvention ou un emprunt de plus. Donc voilà. Et là-haut, on a quoi? Non, bah, c'est une route. Puis la vente de laine, c'est sur la petite route là-bas en bas. Et puis il faut prendre la route là-bas. Ou prendre un chemin s'il y en trouve. Pensez con, il n'y a plus le. Alors là aussi, ça doit être un truc de stockage. Je m'en rappelle plus. Oh, patate, ça va être vente de patates là, ou betterave. À mon avis, la patate. Patate, patate, patate. Quoi, ça va être vente de patates? Ouais, vente de patates. Et puis on peut stocker des véhicules aussi. Hein. Ça peut être une Kuma aussi. Hein. Normalement.
Vente de bois, vente. Ça doit être vente, ouais, de pommes de terre, c'est mec. Coupe de pommes de terre, je vais arriver. Donc, ce qu'on n'avait pas, alors je sais plus sur la V1, mais on avait une petite zone comme ça, on pouvait mettre des véhicules, des trucs comme ça. Et on avait ce champ-là. Donc il y a ce champ qui a changé, c'est tout. Voilà. Parce qu'avant, il n'y avait pas de endroit, on va dire une sorte de plateforme pour mettre ces véhicules. On avait été au bord du champ, désolé. Voilà. Et le champ était un peu plus grand, je sais plus. Donc voilà. Donc là on a la COP. Donc c'est plus une COP, je crois que je viens de dire, ou un truc comme ça, c'est quasi-H maintenant. Donc voilà. Donc on va vendre tout ce qu'on a. Voilà, vous verrez, on vend tout ce qu'on a. Voilà, il faut que je cours pour désactiver. Donc vous avez donc la quasi-H hein, de. La plus vue sur FSI9. Bon, la remorque, moi je l'achète jamais. J'ai toujours pris la coupe parce qu'elle est petite, elle est bien. Nous avons le fameux Fiat qu'on voit tout le temps avec le. Je crois pas que seulement on le voit souvent. Lui, on le voit souvent sur au début de la carrière, hein, au début quand on a eu FSI19 tous. Donc voilà. Donc, on va vendre tout ça. Ça va nous faire quand même pas mal d'argent. Ce sera un peu cheaté, je sais. Mais voilà. À mon avis, ça va être ici. Je sais pas. Je vais pas dire de conneries. Si c'est ici, bingo. Non. Le point de vente, il doit être devant. Donc là, vous avez une station. Je sais pas si elle fonctionne. À mon avis, elle va fonctionner. J'essayerai quand on aura besoin. Toc, retour. Ben, il est où le trigger? Me dit pas qu'il l'a. Non. Ah, c'est la meilleure maintenant. L'atelier. Ah bah. Il faudra me dire en commentaire où il est parce que, à part si on le trouve, mais c'est bizarre. Retour, je sais pas où il est. Bon. Bon, il est où? Bon, ça, je me démerderai. Bon, si ça continue, moi je vais vendre en mode YOLO. À mon avis, je suis sûr qu'il est là. Parce que si je le vois pas là, à mon avis. Oula, oula, ouf. Ouf, oulala, désolé. Il doit être ici alors. Non. Il est un peu plus loin, mais oui, il l'a pas mis, c'est sûr. Bon, on va pas se faire chier. Voilà. On va te vendre. C'est pas grave, on gagnera pas plus d'argent, mais c'est bon. Bon, ça nous fait quand même pas mal d'argent. Ouf, non, 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 non. Ok. Bon, je referai le truc. D'accord. J'ai vendu la ferme pour rien. Normalement, je vais plus pouvoir vendre. Rendre visite, à mon avis. Ouais, je crois que je peux plus. Ah oui, ça m'a même enlevé la barrière. Bon. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo.
Et nous, on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo. Donc, n'hésitez pas aussi à mettre un j'aime, vous abonner si c'est toujours pas fait. Nous, la prochaine fois, on verra, on refera la. On rachètera le terrain. Peut-être ce terrain-là aussi, on rachètera. On verra si je peux l'acheter sans. Acheter des animaux sans acheter. Je vais voir. Je cours vite, hein. Ouf, ça donne du sport. Alors pourquoi j'ai mis ça, moi? Voilà, ça va être laissé là. Ah, mon avis, c'est pas là. Non, c'est ici. Est-ce qu'on peut acheter? Je vais voir. Confirmé 1000 euros. Si on peut acheter sans acheter le terrain, ça peut nous faire des économies. Voilà, donc nous on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tout le monde.